أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال: فقاصده، يعني الكعبة، قاصد إلى الله تعالى وزائر له. La page 256, pardon, excusez-moi. C'est désir, ligne 4, le désir. Ici, al-shawq. Shawq, c'est le désir et avoir un désir avec détermination. C'est après la détermination, pardon, la résolution. Et qu'il a été, voilà, celui qui se dirige vers lui, vers la Kaaba, se dirige vers Dieu pour le visiter. Tu te diriges vers Dieu. Même sans aller à la Kaaba, rendre visite à un malade signifie rendre visite à Allah. C'est comme ça dans le hadith. Mon serviteur, je suis tombé malade, tu ne m'as pas visité. Le serviteur répond: comment puis-je te visiter alors que tu es le Seigneur des univers? Allah dit: si tu as rendu, mon serviteur est tombé malade, si tu l'as visité, tu me trouveras chez lui. عنده, chez lui. Il n'y a pas d'autre traduction. Chez lui. Pas à côté. Après, à toi de trouver l'explication. Chez lui. Pas le malade chez Allah, Azza wa Jal. C'est Allah qui est chez le malade. Je peux vous donner une autre parole de Sayyidina Isa, je crois. La paix d'Allah sur lui. Il a dit, voilà où je te trouve. Il lui a dit: tu me trouves dans les cœurs brisés. Ça peut nous aider à expliquer, parce que le malade, il a un cœur brisé souvent, n'est-ce pas? Voilà. Donc quand il dit, le Razel ici, visiter Allah Azza wa Jal, métaphoriquement bien sûr, hein, on ne parle pas d'un endroit où Allah est... Hein, non. Mais tu vas vers Allah Azza wa Jal. Imagine cette image, imagine cette scène. Tu vas vers Allah Azza wa Jal. Est-ce que notre désir est attisé par cette expression? Oublie la Mecque, oublie tout. Tu vas rendre visite à Allah Azza wa Jal. Celui qui se dirige vers la Kaaba se dirige vers Dieu pour le visiter. Autre chose qui peut augmenter notre désir: wa inna man qasada al-bayta fi ad-dunya jadirun bi alla yudhayya Allah yani ziyaratahu fayurzaqa maqsud az-ziyarati fi mi'adihi al-madhrub lah وهو النظر إلى وجه الله الكريم. Ça y est, خلاص. دليل استفاك الله. C'est bon, ça se voit. Quiconque projette d'aller au temple en ce monde est assuré que sa visite ne sera pas faite en vain. Le but de sa visite réside dans la promesse faite d'obtenir la vision de la face noble de Dieu dans la demeure de la stabilité.
celui qui contemplera la Kaaba dans la vie d'ici-bas, celui qui verra la Kaaba dans la vie d'ici-bas, contemplera la noble face d'Allah dans la vie de l'au-delà. Ça, c'est l'objectif ultime, bien sûr. Ça va? C'est joli? Hein? Vous avez décidé, Inch'Allah, hein, cette année? C'est seulement. Pourquoi un peu? Allah, il est puissant, tout puissant. Il ne faut pas avoir des doutes. Maintenant, déjà, ton nom est inscrit, Inch'Allah, dans le registre des pèlerins. Tu es déjà pèlerine, Inch'Allah. Grâce à ton intention. Allah ne regarde pas les actions, ne regarde pas l'argent, ne regarde pas le déplacement. Hein? Si tu comptes sur les causes. Alors, pourquoi je ne peux pas voir Dieu dans la vie d'ici-bas? لماذا لا أستطيع أن أنظر إلى الله في هذه الدنيا؟ C'est marqué. Parce que l'œil est impuissant. Du fait que l'œil est impuissant et évanescent en ce monde. Ça veut dire quoi, évanescent en ce monde? Évanescent. Évanescent, c'est-à-dire qu'il disparaît. En fait. Voilà. Éphémère. Éphémère. Haythu inna al-ayna al-qasirata fi al-faniyata fi dar al-dunya la tatahayya'u li qabuli nur al-nazari ila wajhi Allah ta'ala. Parce que, il a dit, du fait que l'œil est impuissant et évanescent en ce monde, il n'est pas disposé à regarder la lumière de la face de Dieu exalté et majestueux, ni à la supporter. Est-ce que tu supportes la lumière du soleil déjà? Et le soleil est une créature. Imaginez alors la lumière du Créateur. Pas le soleil. Un projecteur, déjà. Hein? Tu ne peux pas dormir dans la lumière, déjà. Vous voyez? Donc, on ne peut pas supporter cette lumière. Ni même préparer à enduire le kohl, sa paupière, pour pallier la déficience de sa vie, déficience de sa vie. Ça, c'est une expression littéraire. وَلَا تُطِيقُ احْتِمَالَ وَلَا تَسْتَعِدُّ لِلْإِكْتِحَالِ بِهِ لِقُصُورِهَا. C'est très difficile d'expliquer ça en français. Ça n'a rien à voir avec le kohl, mais c'est la beauté. Elle ne peut... Imaginez, la lumière d'Allah Azza wa Jalla se reflète sur les yeux et lui donne une beauté. Voilà, c'est ça l'image. Voilà. C'est par ça il a dit le kohl, dans le sens, lorsque mes yeux contemplent la lumière d'Allah, ils deviennent beaux. C'est ça l'idée. Donc la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla me donne la beauté des yeux. Donne la beauté des yeux, voilà. C'est à peu près ça. Mais en arabe, c'est difficile de traduire des choses, des expressions belles comme ça. La tasta'addu lil-iktihali, ça c'est bien li qusuriha. Parce qu'elle ne peut pas voilà, s'embellir par la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla, parce qu'elle est évanescente et parce qu'il est évanescent et éphémère. Voilà. Est-ce que ça va?
وإنها إن أمدت في الدار الآخرة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغيير والفناء استعدت للنظر والإبصار. ما شاء الله. Quelle beauté dans l'expression. Dans la demeure future, l'œil est assuré de la permanence et non atteint par les raisons de l'altération et de la vanissance préparée qu'il est au regard et à la vue intérieure. Dans la vie de l'au-delà, de futur, l'œil sera éternel. Le corps est éternel. Tout est éternel dans la vie de l'éternité. Donc, là, elle recevra une lumière grâce à laquelle elle peut contempler la beauté d'Allah. ولكنها بقصد البيت والنظر إليه تستحق لقاء رب البيت. C'est très beau. Il dit, il est digne de la rencontre avec le Seigneur du Temple en raison même de son orientation et de son regard vers lui par l'autorité de la promesse libérale. Qu'est-ce que vous avez compris ici? Elle est digne de la rencontre. Donc, toi, Inch'Allah, tu es digne de la rencontre avec le Seigneur du Temple en raison même de son orientation. Donc, il suffit d'orienter son cœur. Il ne faut pas dire « Non, je n'ai pas mahram, je n'ai pas d'argent ». Je suis encore jeune, les excuses là des démoniaques qu'on connaît très bien, hein? Il faut orienter son cœur. On te demande juste de dire, il ne faut pas dire pour les anciens combattants comme nous qu'ils ont fait des alarmes, non j'ai assez fait, jamais, hein? Toujours j'ai besoin, c'est ça le désir. Quand tu dis j'ai assez fait, c'est bon, je laisse ma place. Il y a des gens qui disent, je laisse ma place aux autres. Hein? Hein? Alors, laisse ton poste aux autres. Pourquoi la dunia, la vie de l'au-delà, elle est à bon prix, là? Même, on ne sait jamais, même dans les rangées, il ne faut jamais laisser ta place dans la première rangée aux autres. Il n'y a pas de fraternité ici. Il faut hâter vers les places. Pourquoi? Pour considérer la première rangée. Hein? Il est digne de la rencontre avec le Seigneur du Temple en raison même de son orientation et de son regard vers lui par l'autorité de la promesse divine. Donc, la promesse divine. Allah t'a promis. Non, parce que je me demandais pourquoi la traduction promesse libérale. Il est traduit par la promesse libérale. Alors, je vais voir en arabe. Bihukm al-wa'd al-karim. Généreux. Généreux. Ah, d'accord. La libéralité dans le sens de généreux. La promesse d'Allah Azza wa Jal. Si Allah t'a promis, si tu visites la Kaaba, tu mériteras, Inch'Allah, la contemplation de ma noble face. Voilà. فالشوق إلى لقاء الله عز وجل يشوقه إلى أسباب اللقاء لا محالة. Les arabophones, ما هي أسباب اللقاء هنا أو ما هو سبب اللقاء؟ فالشوق إلى لقاء الله قال يشوقه إلى أسباب لقائه. قلنا من رأى الكعبة Inch'Allah, yamunullah alayhi bi ru'yati wajhillahi al-karim. Alors, je te donne un peu du temps pour réfléchir. Le désir de la rencontre de Dieu a pour conséquence le désir légitime des moyens de la réaliser. Je ne sais pas si c'est clair en français,
le désir de la rencontre de Dieu a pour conséquence le désir, ici légitime, le désir de trouver les moyens de la réaliser. Ça veut dire quoi ici? Les moyens pour réaliser le désir de la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Que tu disais avant, c'est-à-dire, si tu as véritablement le désir, tout le reste va venir et tu vas trouver les moyens de réaliser, de pouvoir partir. Comme si tu ne peux pas contempler la noble face d'Allah Azza wa Jal sans voir tout d'abord la Kaaba dans la vie d'ici-bas. Bien sûr, si tu as un empêchement, ou bien ça, c'est pas. Donc, parmi les causes. Les causes qui te permettront de contempler la noble face d'Allah Azza wa Jalla, c'est aller à la Kaaba. Ça, c'est un moyen, c'est une cause. C'est pour ça qu'il a dit, le désir de la rencontre de Dieu a pour conséquence le désir. Si tu désires rencontrer Allah, tu auras le désir, Inch'Allah. Donc, est-ce que je peux dire, je peux mesurer mon désir de rencontrer Allah Azza wa Jalla par le désir d'aller à la Kaaba? Non. C'est propos. C'est. Non. Parce que c'est une cause, c'est un moyen. Hein? S'il t'ouvre la porte de la visite de la Kaaba, il te permettra, grâce à sa promesse libérale, comme on l'a dit, de contempler sa noble face dans la vie d'ici-bas. C'est beau, hein? هذا مع أن المحب مشتاق إلى كل ما له إلى محبوبه إضافة. البيت مضاف لمن؟ لزغابوفون؟ لله. فكل ما هو متعلق بالمحبوب محبوب. الكعبة، la prière, la mosquée, toute chose liée à Allah Azza wa Jalla, à mon bien-aimé et aimé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, les frères et sœurs, tout ça, vous êtes liés à Allah. Voilà, c'est comme ça. L'univers, normalement, on doit aimer l'univers, on doit aimer les créatures d'Allah Azza wa Jalla. Mais la Kaaba, bien sûr, c'est parmi les créatures les plus honorables d'Allah Azza wa Jalla, les plus nobles d'Allah Azza wa Jalla. Il y a une divergence entre les ulama dans la création. Quelle est la créature la plus honorable, la plus digne d'amour d'Allah Azza wa Jalla, la plus importante? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est plus cher que la Kaaba. Bien sûr. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il en est ainsi du fait que l'aimant désire de toutes ses forces son aimé par affinité. Moi, je ne comprends pas affinité. Ça veut dire quoi, par affinité? Ça veut dire quoi? Avoir de l'affinité avec quelque chose, quelqu'un, de la proximité, correspondance. Or, le temple est mis en relation avec Dieu, exalté soit-il, d'autant plus qu'il le désire à cause de l'exclusivité de cette relation et qu'il recherche à obtenir la récompense considérable qui lui a été promise. Donc, toute chose liée à Allah, notre bien-aimé est aimé. والبيت مضاف إلى الله تعالى. La maison est attribuée à Allah Azza wa Jal. Moi, j'aime Allah, donc j'aime sa maison. C'est ça la logique. فبالحري أن يشتاق إليه. Donc c'est normal, c'est logique d'avoir le désir de visiter la Kaaba. Donc mon frère Zakaria aime les pâtes. Moi j'aime Zakaria, donc je vais aimer les pâtes. C'est comme ça la logique.
Vous avez... Avant, j'ai détesté les pâtes, mais parce que Zachary aime les pâtes et moi je l'aime, alors voilà, je change. Hein? Et des fois, dans les couples, ça fait 10 ans, elle ne veut pas me suivre. Donc, ça, c'est un signe. Si le conjoint suit son époux, son épouse, son conjoint, ça, c'est un signe d'amour. Hein? Des fois, on voit un couple, ils portent les mêmes vestes. Ça, c'est un signe de. Signe d'amour, ça. C'est vrai ou pas? Non, aimer, désirer ce que ton bien-aimé aime. Voilà. Ça, c'est un signe d'amour. Dans d'autres couples, lui, il porte blanc, elle, il porte noir. Le lendemain, il porte noir, elle porte blanc. Ça aussi, c'est un signe d'amour. L'amour par se contrarier. C'est une autre forme, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne l'amour, Inch'Allah, d'Allah et de ses créatures, et qu'Allah enlève de notre cœur la colère et toutes les maladies. Qu'Allah nous donne un cœur libre, de pointe, pur. Saint, appelez-le, un cœur libre, hein, léger, qui plane avec les anges. Al-azmu, alors tu as les désirs, compréhension, désir, maintenant, la volonté, la détermination, la résolution. Voyez la logique? Compréhension, j'ai compris la valeur, donc cette compréhension a attisé mon désir. Maintenant, je prends une décision. Je pars cette année. Des fois, en une fraction de seconde, subhanallah, et Allah azzawajal a choisi directement ce cœur. Désheureux, qui a compris, qui est déterminé. Dans une fraction de seconde, wallah, Allah change le cœur. Et avant, il n'avait même pas l'idée de faire le hajj. D'un coup, il dit, mais subhanallah, j'ai reçu. Non, en fait, tu as compris, tu as désiré et tu as rempli les conditions. Tu as pris, ton cœur a pris la décision. On est là pour attiser le désir, pour comprendre et pour aussi, inshallah, décider d'aller au hajj chaque semaine. Et chaque, inshallah, au moins chaque semaine, hein, parce qu'on n'a pas le temps pour méditer sur les secrets de Hajj en dehors de ce jour béni qui est le jour de Jumu'ah. Et surtout après la prière sur le prophète, c'est encore Masha'Allah. Alors, la résolution. فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ بِعَزْمِهِ قَاصِدٌ إِلَى مُفَارَقَةِ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ. Que le pèlerin sache que par sa résolution, il a dessein de se séparer de sa famille et du pays. وَمُهَاجَرَةِ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ. Hein, ça c'est très beau aussi. Et de s'opposer aux passions et aux jouissances éphémères, mondaines, matérielles. Voilà. مُتَوَجِّهًا إِلَى زِيَارَةِ بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Je me suis détaché après pour se consacrer à la visite du temple de Dieu. وليعظم في نفسه قدر البيت وقدر رب البيت. Alors, moi j'ai fait dans un carnet pour les pèlerins, j'ai dit prenez des notes. 1. Détachement. 2. La glorification ou bien magnifier la valeur du temple et la valeur du Seigneur du temple. Comme ça, je dicte à mon cœur. Hein? Je dois inculquer ça à mon cœur. Je peux répéter ça. Parce qu'il a besoin d'un moment pour intégrer, digérer cette beauté. Qu'il magnifie en lui-même la valeur du temple et celle du Seigneur du temple. Avant d'aller. وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ عَزَمَ عَلَى أَمْرٍ رفيع شأنه
khatirin amruhu. Voilà. Alors, on va juste finir avec ça, inshallah. Alors, qu'il sache encore que cette résolution est une affaire importante dont la condition est élevée et l'impératif, ou bien l'affaire est considérable. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. C'est des vacances gratuites, alhamdulillah.